Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai vraiment attendue parce que cette vidéo je voulais vous la filmer. Je voulais vous la filmer parce que j'ai trop de choses à vous montrer. J'ai trop de choses à vous montrer. C'est énorme, les sacs qui sont remplis, j'ai pris les sacs les plus gros à Lilika, voilà. Bref, je vais parler une minute, histoire de vous raconter un peu. Donc en gros, je vais vous faire un big haul, donc vous allez tout voir, je vais vous mettre mes tenues outfit, donc pour les filles, ça peut vous inspirer tout ça. Je vais vous mettre les prix, je vais vous mettre l'adresse et le magasin Lilika. Donc le magasin c'est pas ma boutique, parce qu'il y en a qui pensent que c'est ma boutique. Non, c'est pas ma boutique. Je vois aussi énormément de messages, ouais, est-ce que c'est ta boutique, pourquoi t'es toujours là-bas, tu vas jamais en cours mais t'es toujours là-bas. Lilika c'est la famille, genre c'est Lilika, on peut pas détrôner la reine, genre c'est Lilika, c'est, je sais pas, c'est, je les kiffe, genre c'est, voilà. Donc même si je rate une semaine de cours pour aller là-bas, c'est pas mon souci. Je préfère aller à Lilika, moi. C'est pas mon souci, vraiment. Donc bref, voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Donc tout le monde me suit normalement sur mes réseaux sociaux. Donc sur Snap, TikTok et Instagram. Parce que c'est là-bas où je vous montre tout. Bah toutes les personnes qui me suivent, ils savent très bien que Lilika, c'est Sabrina, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais pas parler trop longtemps. Et je vais vous laisser avec la... Attendez, je vais vous laisser être là. Oh, salut. Je me suis fait mal. Bref, salut. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Whooped it, bitch, I'm outside, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids. Alors, pour commencer, on a cette veste. Donc, vous savez que je l'ai pris. J'avais fait même une vidéo sur TikTok. Je crois qu'elle a fait plus de 300 000 vues. Donc, pour savoir si je prenais celle-ci ou la rose. Donc, je vais vous montrer aussi la rose quand elle est. Mais elles sont trop, trop belles. Donc, attendez. Voilà, donc, je vais vous mettre en bas pour que vous puissiez voir. En gros elle est comme ça. Elle est trop belle la veste. Donc pour les filles petites je pense que ça va drainer un peu. Moi je suis grande de taille, donc je suis 1m70. Donc voilà, franchement elle est trop trop belle. Donc je l'ai mis avec un petit body AliExpress et un bas Lilika. Donc voilà, le jogging il vient de Lilika Shop. En plus c'est trop confortable, j'aime trop. Et la veste, trop bien. C'est accordé. Donc ouf. Donc voilà, donc je vous mets le prix ici. Donc elle a coûté 44,90, c'est la veste. Et voilà, on passe à la prochaine veste. Donc ensuite on a celle-ci, donc elle c'est la rose. Donc évidemment il ne faut pas l'accorder avec un jogging bleu, hein. Il faut l'accorder avec un jogging noir ou un truc comme ça. Elle est trop belle aussi la rose. Je vais baisser pour que vous puissiez voir. Trop trop belle la rose. Vraiment. Bon, pas avec un jogging bleu bien évidemment. Elle est trop belle. Donc celle-ci c'est le même prix que la veste bleue. Donc celle-ci m'a coûté 44,90 €. Donc voilà, attendez. En fait il faut que je mette ça. Donc voilà. Donc franchement elle est trop belle, je sais pas si j'ai pris des photos avec cette veste, mais si j'ai pris, de toute façon je vous mets toutes les photos ici. Donc elle est trop trop belle. Ensuite on va passer à la 3e. En fait il faut savoir que des vestes comme ça, je crois que j'en ai 4 ou 5, parce que je fais la collection des vestes à carreaux. Donc voilà, à la prochaine. Donc ensuite on a celle-ci, donc... elle c'est genre en gris, noir, marron. Donc si genre par exemple moi celle-ci je sais que je la mets genre en mode avec un jean de couleur, genre par exemple avec un jean blanc je peux l'accorder, et qu'un haut noir ou un haut en près de cette couleur je peux l'accorder. Donc ça c'est top aussi. Elle est trop belle elle aussi. De toute façon je mets les photos ici. Et elle m'a coûté je crois 29,90 €. Je suis pas sûre, mais soit 29,90 €, soit... Non, 29,90 € celle-ci, il me semble.
pas 44,90. En fait, 44,90, c'est plus genre pour les vestes fluo, vous voyez. Et celle-ci, il me semble 29,90€. De toute façon, si je me trompe, bah, je vous le dirai sur Instagram. Donc voilà. Elle est trop belle aussi. Donc je mets une photo ici pour que vous puissiez voir un peu si vous pouvez l'accorder avec quoi. Mais franchement, elle est trop trop belle. Genre, trop belle. Voilà. On passe. Donc voilà. Ensuite, on a celle-ci. En fait, elle, je crois que c'est ma préférée. Elle est trop belle. Tu sais que vous, vous pensez, enfin, que ma préférée, c'est la bleue. Mais moi, la préférée, c'est elle. Genre, elle est trop charismatique, cette veste. Regardez comment elle est fluo. Genre, c'est pas la même que la rose du tout. Mais elle, elle pète, mais de ouf. Elle pète, mais de ouf. Genre, vraiment. Je vais vous mettre... En fait, de toute façon, je vous mets toutes les photos ici sur le côté. Comme ça, vous pouvez voir à peu près. Donc, voilà. Mais elle est trop, trop belle. Vraiment. Trop belle. Je la surkiffe, celle-ci. En fait, je sais que celle-ci, genre, je peux en mode l'accorder. Parce qu'en fait, en gros, même si genre tu mets par exemple un haut noir avec un bas noir et des hugs noirs, genre la veste, en fait, ta tenue en soi, elle est simple, mais ce qui va péter, c'est la veste. Genre, c'est la veste qui va péter. Ça, en fait, moi, j'aime bien m'habiller comme ça. Ça, c'est ce que je fais. Genre, toujours mes habits, genre, c'est simple, mais la veste, elle pète de ouf. Genre, c'est ça qui va donner à la tenue le peps. Genre, vous voyez ce que je veux dire, de toute façon. Voilà, mais elle est trop trop belle cette veste. Donc elle 44,90 aussi. Donc par contre, je sais pas si elle est encore en stock. J'en suis pas sûre. Mais de toute façon, si genre vous venez pour aller acheter celle-ci, c'est mieux que vous contactez Lilica Shop avant pour leur demander s'ils en ont. Parce que si vous vous déplacez pour rien, c'est un peu nul quoi. Donc voilà, mais je sais que même si vous vous déplacez pour rien, il y aura forcément des choses qui vont vous intéresser. Donc franchement, vraiment allez faire un tour. Genre... je sais qu'il y a grave des filles qui vont kiffer les vêtements là-bas, tout ça. Donc voilà. Trop belle. En plus, sachant que les centres commerciaux sont fermés, tout ça. Et bah, comme ça, vous pourrez aller acheter. Parce que là-bas, tout est ouvert. Enfin, Lilica, c'est ouvert. Donc voilà. Donc ensuite, bah là, niveau veste. Oh, mais je suis ouf, moi, j'ai pas fini niveau veste. J'ai encore plein parce que je pensais que j'avais fini en fait. Ah bah après j'ai une veste noire. Donc la veste noire de toute façon je vais vous la mettre ici parce que je l'ai pas sur moi. Voilà. Je l'ai pas sur moi la veste noire, mais de toute façon je vais vous la mettre ici. Elle est trop belle aussi. En fait genre elle est simple mais elle est belle, genre elle est trop belle. Et après j'ai une veste violette, trop belle aussi. Elle est trop belle. Je vais la mettre directement. Elle est comme ça. Genre où vous habillez simple, mais c'est la veste qui va péter. Genre, regardez comment elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop belle. Je vous montre le bas, hein, parce que c'est un peu le principal, quoi. Elle est trop belle. On part avec un jogging bleu, évidemment. Elle est trop belle, la veste. Vous voyez comment elle est fraîche. Moi, en fait, faut savoir... Attendez, je vais vous expliquer. En fait, moi, faut savoir que j'aime bien... quand, en mode, quand les personnes, enfin les filles quoi, ils ont pas les mêmes vêtements que moi. Parce que moi en fait j'aime bien être, on va dire, ne pas avoir les mêmes vêtements que les gens. Parce qu'en fait ça devient trop basique, genre tout le monde s'habille pareil, tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que genre en mode je prends que des vestes fluo, des vestes qui pètent. Parce qu'en fait je sais que il y en a, ils vont pas forcément aimer, tu vois. Et moi j'aime pas quand tout le monde a les mêmes habits que moi, tout ça. Après en vrai... genre demain on a la même veste bleue ou un truc comme ça, ça va même pas me déranger, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien être, on va dire, je sais pas si vous comprenez genre ce que je veux dire. Je pense que les filles vont comprendre, tu vois, parce qu'eux aussi sont dans le même cas que moi. Genre ils aiment pas quand on s'habille pareil ou quand on a la même paire de baskets, tout ça. Mais après en vrai on vit dans un monde où tout le monde a les mêmes choses, tout le monde veut recopier sur tout le monde, donc voilà quoi. Mais sinon, voilà, trop trop belle la veste. Moi, je kiffe de ouf. Elle, je crois qu'elle coûte 29,90€ ou 34,90€. Je sais plus, vraiment. Donc, quand je vous ai dit, contactez-la sur Instagram, elle va vous répondre.
Donc voilà, après c'est vrai que j'ai plein d'autres vestes encore de Lilica Shop, parce qu'en fait pratiquement toutes mes vestes viennent de là-bas. Mais je crois que je vais vous les montrer parce que bah vous, c'est vous kiffez genre. Du coup je crois que je vais vous les montrer. Mais en fait je sais pas s'ils sont encore d'actualité. C'est pour ça que j'hésite à vous les montrer. Vous voyez? Donc je vais aller voir dans mon dressing et je reviens. Alors les filles, j'ai celle-ci, la bleue. Bah la veste manche courte bleue. Mais elle n'y est plus du tout en magasin. Il me semble qu'ils l'ont en beige, en vert, en rouge, en noir. Mais cette couleur, elle n'y est plus du tout. Donc voilà, donc celle-ci. Elle est trop belle aussi. Petite doudoune courte, genre. Je vais vous mettre des photos parce que je l'avais portée. Voilà. Elle est trop trop belle. Bon après, on va mettre avec un manche courte, hein, bien évidemment. Avec un manche long, c'est mieux. Mais elle est trop belle. Voilà, donc vous voyez ici. C'est mon arrêt. Ensuite, celle-ci elle a coûté 29,90€, mais elle n'y est plus en bleu, sachez-le. Ensuite, on a celle-ci. Putain, alors elle, je sais plus le prix. Je sais plus le prix, mais elle n'a pas coûté cher aussi. Hein. Elle est comme ça. Je crois que la vidéo va durer grave longtemps parce qu'en fait, j'ai que des habits de là-bas. En gros, on a celle-ci. Elle est trop belle aussi. Je sais qu'au début de l'année, je la mettais beaucoup. Après, j'ai arrêté de la mettre parce qu'en fait, j'ai plein de vestes. Genre, j'ai plus de jeans que de vestes. Plus de hauts que de vestes. Parce qu'en fait, je me blinde de vestes. Parce qu'en soi, moi, ce qui fait la tenue chez moi, c'est la veste. Donc, c'est pour ça, genre. Donc, voilà. Elle est comme ça. Mais elle aussi, elle est trop belle, genre. Ah, je sais qu'ils l'ont en jaune, en bleu et en noir. Parce qu'en fait, Marina était... Oui, donc comme je vous disais, ils l'ont en jaune, en violet, en bleu, en noir, en blanc, il me semble. Donc, je sais pas, si je retrouve les photos, je vous les mets là. Mais il me semble qu'ils l'ont encore. Voilà. Ensuite, je crois que niveau veste, on a terminé. Mais je sais que j'ai encore des vestes, mais en fait, ils sont plus d'actualité. Donc, ça sert à rien que je vous les montre, vous voyez. Parce que vous allez la vouloir, mais ils y sont plus. Donc voilà, ça sert à rien. Donc là c'est vraiment des vestes qui sont encore d'actualité. Sauf la bleue, mais la bleue elle a une autre couleur. Donc voilà, donc ensuite on va passer à... Attends, vous voulez qu'on passe au jean, au jogging ou au haut? Enfin j'ai que des bodys. Donc vous voulez soit les bodys, soit les jeans ou soit les joggings, les ensembles. Je sais pas, vous voulez quoi? Moi il me semble que vous voulez les bodys. Les body, vous allez kiffer. Je reviens avec les body. Alors, niveau body. Bon, là, j'ai un jean, mais en fait, je vais vous montrer le jean avec les body. Parce que c'est ça qui va faire la tenue, quoi. Les genoux. Je vais vous montrer le jean avec les body. Donc, j'ai pris trois body. Alors, j'ai pris un noir. Que le noir, je l'ai essayé, il est trop trop beau, je meurs, le noir il est trop beau. Donc voilà, de toute façon je vous mets des photos ici, mais je vais les essayer comme ça vous pouvez voir aussi en réalité. Voilà, mais en fait je sais pas si vous voyez, mais en gros là il y a un col. Lui il a coûté, il n'y a pas les prix parce que c'est un verre, coûté 16,90€. Je sais pas si vous voyez. 16,90€. Ensuite on a le blanc. Il est trop beau le blanc. Ah ouais, les filles par contre niveau body, ici il remonte de ouf. Moi j'ai l'habitude de mettre que les joggings hauts ou par exemple des jeans hauts, tout ça. Donc ça me dérange pas personnellement. Mais après il y en a, ils n'aiment pas qu'on voit trop leur peau. Donc voilà. Mais en été, mais magnifique. Magnifique. Donc, de toute façon, je vous essaye avec mon trop beau jean. Le jean, si vous savez, trop beau le jean. De toute façon, j'essaye. En gros, ma patronne, parce que bon, c'est ma patronne, j'ai fait mon stage là-bas, tout ça, et vu que tu connais, c'est la famille, je l'appelle comme ça. En gros, ma patronne, genre en mode, elle m'avait dit de prendre le gris avec avec un autre, genre ici, en gros, là c'était bleu et là c'était noir. Elle m'avait dit de prendre lui, mais en fait, ils étaient trop beaux. Mais sur moi, ça m'allait pas. Parce que moi, je suis une fille grande de taille. C'est-à-dire que ça faisait pantalon sauté. Mais les filles en mode petite de taille, tout ça,
Il est trop beau. Et achetez-le, vraiment, achetez-le. Il est magnifique. Je vous mets la photo là. Il est trop beau. Je crois que c'est une photo, une vidéo, je sais plus. On a, ouais, du coup, on a ce jean là. Avec un autre jean gris. Donc le jean gris, il est comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Et du coup, voilà, j'essaie que ces deux jeans là. Donc de toute façon, j'essaie avec ce jean là. Et j'en ai un autre. Moi je parle trop, eh, vas-y les filles, vous devez en avoir marre de moi. Vous devez vous dire, eh, mais on s'en bat, on s'en fout de ta vie. Nous on veut juste voir les vêtements. Bon bref, je vous montre ça. Oh, tu veux quand en fait hein? Non, je sais pas. Bref, du coup, là. Que là j'ai des problèmes mentaux. Ouh guys, en fait là c'est pas une crotte de nez, ok, ça c'est un ma cicatrice. Non mais j'arrête. Bref, alors là du coup on a le haut, il est trop beau. Voilà, donc pour les filles qui ont de la grosse poitrine, je sais pas comment vous allez faire parce que moi j'ai pas de sein, donc voilà. Mais après, des filles, ils en ont. D'ailleurs, c'est trop beau. Bref, du coup, là, on a ce jean. Donc, il est trop beau. Là, on ne peut pas me dire le contraire. Attendez, je vous... Donc, voilà, il est comme ça. Donc, en gros, le body, il est comme ça. C'est comme ça que je vous parlais. Genre, il est grave levé. Mais je trouve que c'est trop beau. Trop beau. Il est grave levé. Donc, le jean est trop beau. Niveau en bas, bah, il est long. Il est long comme ça. Donc après, vous pouvez mettre des chaussures, genre. Vous voyez, des chaussures. Des chaussures, par exemple, moi, j'ai plein de paires. Genre, j'ai une paire de Air Jordan bleu de cette couleur. J'ai une paire de Air Jordan encore bleu. En fait, j'ai trois paires de Air Jordan bleu de à peu près cette couleur. Comme ça, vous pouvez les accorder avec. Après, je sais pas si vous voulez les mêmes. Mais, ah oui, les filles, un bon plan. Sur Intersport, il y a une paire de Air Jordan. Elle est à 45€, il me semble. Foncée, même commandée. Moi, il n'y avait plus ma taille, donc j'étais grave dégoûtée. Mais allez voir sur le site Intersport. Il y a une paire de Air Jordan bleue trop belle. Mais c'est une trop... En plus, c'est une vraie, hein. C'est une vraie, mais elle est trop belle. Donc, les filles, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Un bon plan. Bref, du coup, alors, pour commencer... Là, on a ce body. Donc, il est trop beau, le body. Moi, j'aime bien niveau ici, tu vois. Donc, voilà. Après, le jean, il est magnifique. En fait, là, en vrai de vrai, la tenue complète, elle est trop belle. Vous voyez, genre, j'ai mis le bleu histoire d'accorder. Mais après, genre, vous pouvez mettre le blanc. Donc, le blanc. Vous pouvez mettre le blanc. Vous pouvez mettre le noir également. Moi j'ai mis le bleu parce que ça va avec, mais le noir aussi ça fait trop beau, genre avec le jean. Je vais vous mettre une photo là que j'ai prise. Trop beau. Franchement je suis trop fan du résultat. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Non. Genre je suis trop fan du résultat. Vraiment. Hey. Oh pourquoi. Oh j'ai des cheveux hein. Hey guys. Mais en fait moi je me sens trop fraîche. Hein. En fait je suis trop belle. En fait, les gens vont croire que je suis... Désolée, mais je suis trop narcissique, genre, vraiment. Excusez-moi, les filles. Parce qu'il y en a, ils vont dire, non, mais il y a votre meuf. Du coup, voilà. Alors, j'ai trop parlé. Le haut, il a coûté 16,90€. Le jean, il a coûté 26,90€. Donc là, je vais passer à mon autre jean. Donc, en gros, là, c'est un jean... gris et là c'est un jean noir, donc je vais laisser, je vais vous montrer, je vais vous mettre avec le body noir je pense, comme ça vous voyez. Donc je vais mettre le body noir et comme ça vous voyez. Salut. Ensuite on a lui le body, mais en fait il est transparent, donc j'ai mis un truc. Le jean, il est trop beau. Noir. Il est trop beau, le jean. Franchement, je kiffe le jean. Mais le body aussi. Mais dommage qu'il est un peu transparent.
Sinon, je kiffe vraiment. Après, genre, tu mets un cachet, des tons, un truc comme ça, ça passe normal. Voilà. Donc, le jean, je crois qu'il m'a coûté genre. Non, par contre, le jean, j'ai vraiment plus. Le haut, je sais, il a coûté 16,90€. Mais le jean, c'est plus. C'est plus. Bref. Là, maintenant, on va passer aux ensembles de jogging. Ça joue. Donc voilà, là on passe aux ensembles. Et pour le body noir, de toute façon je vais l'accorder avec un ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir. On se retrouve là maintenant. Du coup, là on a le body noir. Body noir. Donc ensuite le jogging, il est trop beau. Regardez mon blanchiment. Alors, le haut il a coûté 16,90€, bah, comme tous les body, mais lui c'est mon préféré, il est trop beau. Le jogging il a coûté 16,90€ aussi, ou 19,90€, un truc comme ça, mais il est vraiment trop pas cher, genre, grave pas cher. Donc en gros, là c'est l'ensemble. Il est trop beau. Donc l'ensemble il coûte 29,90€. Par contre je crois qu'il genre il y en a. En fait il y en a encore, mais il est parti archi vite avec ma vidéo sur TikTok. C'est grâce à moi. Non je rigole. Non mais du coup il est parti archi vite tout ça. Donc regardez ma cicatrice. Du coup il est parti archi vite. Donc je crois qu'il en reste encore, donc foncez les filles. Regardez comme il est trop beau. Genre même pour l'été, tout ça, trop beau. Bon, comme vous voyez, mon pyjama. Regardez. De toute façon, je vous mets la vidéo là, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous l'avez attendue parce que j'en avais parlé un peu partout sur mes réseaux que j'allais la faire, tout ça. Donc spécial Lilika Shop. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions ou ce que vous en avez pensé, dites-les moi en commentaire. Je réponds à tout. Like, partage. Si tes copines veulent savoir aussi les vêtements, etc., partage, ça peut aider plus d'une. Et like, logique, si t'as bien aimé la vidéo. Et abonne-toi à tous mes réseaux sociaux, quand même. Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Bee.